Les élèves de deuxième de la classe de français, nous avons fait des biographies de femmes françaises célèbres pour les commémorer de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons parlé de femmes sportives comme Georgia Bonali et Jenny Longo. Des femmes de lettres comme, par exemple, Magali Dura et Simone de Beauvoir. Des femmes artistes comme Coco Chanel et Mickey de Saint-Phal. Des femmes politiques comme Christine Lagarde et Eric Cresson. Ou encore des femmes scientifiques comme Marie Curie ou Sophie Germain. La Journée internationale des droits des femmes, c'est le 8 mars, mais la Journée de la femme, c'est tous les jours. Nous sommes fiers et reconnaissants du travail réalisé par toutes ces femmes, parce que grâce à elles, nous sommes ici aujourd'hui. Nous ne voulons pas la supériorité par rapport aux hommes, mais simplement l'égalité. Nous exigeons les mêmes droits que les hommes dans tous les domaines, l'éducation, les salaires, le sport, la politique, les arts et dans la société en général. Nous devons lutter de manière globale pour que toutes les femmes de toi, les filles aient les mêmes droits. Nous ne voulons plus voir des femmes mortes parce qu'elles ne portent pas le voile islamique. Nous ne voulons plus des victimes de la violence des hommes. Nous ne voulons plus voir une compétition sportive dans un pays qui ne respecte ni les droits des femmes ni les droits des hommes. Nous exigeons une égalité réelle